Capricorne, comment ça va? On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage sentimental intemporel. On va voir un petit peu ce qui se passe pour vous au niveau amour. Alors, bien entendu, ce tirage est centré sur la thématique amoureuse. Si vous cherchez des réponses relatives à d'autres domaines de vie, vous ne les trouverez certainement pas dans ce tirage. On est, comme son nom l'indique, sur de l'intemporel. On n'est pas sur une période spécifique de temps. On n'est pas sur le mois de janvier, février, mars. On tire les cartes, on voit ce qui sort comme message. Bien évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde, ok? Donc si vous souhaitez savoir ce qu'il en est de votre situation amoureuse à vous et vous seul, vous m'écrivez. Vous avez sous la vidéo mon mail, vous m'envoyez votre date de naissance et prénom à l'adresse sous cette vidéo. Allez, on y va. C'est parti, sentimental intemporel pour vous, ami Capricorne. Alors ça, c'est une surprise. On y va. C'est parti, Capricorne. Tirage sentimental intemporel. Pour les Capricornes, en signe solaire, ascendant, lunaire du zodiaque, sentimental, intemporel, pour les Capricornes, signe solaire, ascendant, lunaire du zodiaque, énergie amoureuse intemporelle, pour les Capricornes. Capricorne sentimental intemporel, on y va. Ok, on y va, c'est parti. On est sur cette énergie une que voici. Ok. Alors, ici, il semblerait qu'il y ait un conflit qui prenne fin. Alors, ça peut être un conflit avec un extérieur, une personne à l'extérieur. Peut-être que vous êtes, par exemple, en procès avec une personne, parce qu'ici, on a la carte de la justice. Ça peut être peut-être que vous êtes en instance de divorce pour certains, certaines. Peut-être qu'il s'agit non pas de tout ce qui est en lien avec le légal, la justice, mais plutôt au sens figuré, c'est-à-dire l'équilibre en fait d'une situation. Et là, on nous dit qu'il y a une forme de déséquilibre qui prend fin et que vous retrouvez justement, voilà, ici, avec cette carte de l'équilibre total, une forme d'équilibre dans votre vie affective par rapport à un engagement. On a la carte de la fidélité, ici. Fidélité, honnêteté, loyauté, représentée ici par cette carte du chien. Donc, pour moi, vous sortez d'une phase, que vous soyez célibataire ou en couple, hein, vous sortez d'une phase un petit peu conflictuelle, que ce soit des conflits avec quelqu'un, ou que ce soit des conflits intérieurs. Peut-être qu'il y avait certaines personnes qui avaient du mal à concevoir une relation amoureuse, à s'engager avec quelqu'un, parce que peut-être qu'on ne fait pas confiance, peut-être qu'on a une image de l'amour qui est un petit peu noire. On sait que le Capricorne est un signe assez pessimiste, bien que très réaliste. Mais voilà, ici, pour moi, c'est comme s'il y avait une forme de rééquilibrage par rapport aussi à la perception que vous avez de la fidélité, d'accord? Il pourrait s'agir aussi d'y croire à nouveau, c'est-à-dire que, alors bien sûr, ça ne va pas concerner tout le monde, mais on pourrait être amené ici à se dire, voilà, après telle ou telle déception, bah, je suis enfin décidé à croire à nouveau dans un potentiel engagement, je suis enfin décidé à croire dans le potentiel de ma relation ou dans le potentiel amoureux par rapport à une relation dans laquelle je suis. Mais pour moi, il y a une vision beaucoup plus mature et beaucoup plus mûre au niveau sentimental, quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, encore une fois, que vous soyez en couple avec quelqu'un ou célibataire, pour moi, il y a vraiment par rapport à la fidélité, la loyauté d'envers quelqu'un ou peut-être même d'envers soi-même, un rééquilibrage qui se fait. Si c'est envers soi-même, ça veut dire ici qu'on se repositionne et qu'on est désormais à même de savoir véritablement où on veut aller, ce que l'on veut donner. Ce que l'on veut se donner comme chance dans sa vie amoureuse. Est-ce que je veux rester célibataire? Est-ce que je veux me mettre avec quelqu'un? Est-ce que je veux des enfants? Est-ce que je veux me marier? Peu importe. Si vous êtes en couple avec quelqu'un, il pourrait y avoir des réconciliations ici, mais pour moi, il y a un juste rééquilibrage des choses.
soit par rapport à une vision que vous aviez, une perception un petit peu faussée, erronée ou peut-être même noire d'une situation où vous pensiez que vous ne pouviez pas, peut-être pour certains, être en couple littéralement, être en couple durablement avec quelqu'un de manière sérieuse. Après, ça peut tout aussi bien être en plus d'une perception, une réalité, c'est-à-dire qu'il y a peut-être ici un engagement qui se concrétise après une période, voilà, de bancalité où vous étiez comme ça un petit peu le cul entre deux chaises, à multiplier les expériences, à ne pas savoir où vous positionner. Là, pour moi, vous savez véritablement où vous voulez aller. Il y a peut-être la concrétisation d'un amour ici, parce qu'on a l'équilibre avec la fidélité. Donc peut-être qu'il y a des couples qui se forment et ça passe d'abord par le fait de mettre fin à une forme d'indécision ou à une forme d'ambivalence avec quelqu'un. Peut-être que vous fréquentez même quelqu'un avec qui les choses ne sont pas claires. Vous savez pas si vous êtes par exemple sex friend ou si vous êtes amis ou si vous êtes véritablement ensemble. Voilà, il y a quelque chose qui s'éclaircit autour de ça, d'accord? Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a la carte de la maturité ici en dos de deck. On voit qu'on est beaucoup plus décidé par rapport à ce qu'on veut mettre en place et que les choses s'éclaircissent. Alors, il peut s'agir aussi d'une personne en face de vous qui peut-être est plus âgée que vous et qui, elle, veut se positionner et qui vous rééquilibre en fait dans vous, dans votre perdition à vous. C'est-à-dire que vous, peut-être que vous êtes un petit peu bancal, vous ne savez pas trop ce que vous voulez en fait. Vous prenez les choses, la vie comme elle vient, et là, bah, il y a cette personne qui débarque et qui vous un petit peu, qui vous dirige, qui vous oriente et qui vous fait comprendre bah, que ce que vous voulez, peut-être, c'est la stabilité et l'engagement, voyez? Il y a beaucoup de lectures possibles par rapport à cette énergie une. On va voir un petit peu de l'autre côté ce qu'on nous dit. Alors, on nous parle de vous en énergie 2, homme capricorne. Si vous êtes une femme capricorne ici qui nous regardez, il s'agit de l'homme qui occupe vos pensées au niveau amoureux, représenté sur cette carte. On nous dit ici qu'il a pu y avoir, à cause d'une forme de méfiance, de peur, une forme d'abandon. On a peut-être laissé tomber quelqu'un ou laissé tomber la question même de la fidélité d'avec quelqu'un sans que ça soit dirigé vers une personne précise en particulier. Peut-être qu'on avait une image en fait de l'amour du couple comme quelque chose d'assez menaçant, comme quelque chose d'assez source de déception. Il y avait cette idée un petit peu de se sentir menacé. Et là, bah, c'est soit vous laissez partir en fait cette menace et vous commencez enfin à y croire, vous n'êtes plus dans le conflit, et moi j'ai l'impression qu'on est là-dedans, soit peut-être qu'il s'agit par rapport à quelqu'un bah, d'une opportunité ratée d'avoir concrétisé quelque chose avec quelqu'un bah, parce que tout simplement vous n'aviez pas confiance en cette personne, vous voyez? Ça peut être quelqu'un que vous avez délaissé par le passé et là au jour d'aujourd'hui bah, vous vous rendez compte en fait qu'avec cette personne il y a un potentiel. Mais pour moi il y a vraiment cette idée de quelque chose qui part, de quelque chose dont on se défait intérieurement par rapport à une vue de l'esprit, par rapport à une vision des choses, un état d'esprit qui permet en fait de recroire à nouveau dans la potentialité d'un lien. Et on voit que depuis l'automne, en fait, il y a quelque chose qui a changé par rapport à la perception que vous aviez de l'amour ou de la fidélité. Moi, j'ai l'impression que, alors, ça peut être à l'automne, soit à l'automne que vous avez, l'automne 2022, que vous avez eu cette méfiance et du coup que vous avez laissé tomber quelqu'un. Et au jour d'aujourd'hui, on est plus dans le fait d'y croire à nouveau, ou alors voilà, on fait allusion plutôt à quelque chose qui se passe maintenant. Alors oui, on est dans de l'intemporel, mais on a un marqueur temporel ici, la période de l'automne, alors peut-être automne 2023 aussi, et on voit que potentiellement vous allez refaire confiance. Moi, c'est ce que je vois ici. C'est-à-dire qu'on se débarrasse en fait de cette méfiance, de ces conflits intérieurs et on est en paix avec cette idée d'union, on est en paix avec cette idée de faire quelque chose de sérieux avec quelqu'un et d'y croire en fait. C'est surtout d'y croire, on est plus dans la perception que dans l'action réelle d'attirer à soi ce qu'on veut. On est d'abord, c'est-à-dire en fait ici les cartes vous disent il faut y croire. C'est-à-dire que si tu n'y crois pas, bah, il n'y aura jamais d'opportunités qui viendront à toi et quand bien même elles se montrent à toi, tu ne les verrais pas parce que tu n'as pas les yeux ouverts. C'est comme si je te montrais quelque chose et que tu avais les yeux fermés. Tu me dis, ah non, je vois rien. Bah non, tu vois rien parce que tu as les yeux fermés. Et en fait, les yeux fermés, ils sont dus à cette perception que vous avez de l'amour ou à cette perception que vous avez du couple ou de l'union. Pour moi, il y a une forme de déception initiale
qui vous fait peut-être vous méfier en permanence des personnes en face de vous, qui vous fait avoir ce manque de confiance. Et ici, en fait, tout ce tirage est centré sur le fait de se réapproprier cet optimisme amoureux. C'est très intéressant ce qu'on a. En noyau central, on a une révélation ici, on a la carte du masque. Alors, une révélation à vous-même, donc voilà, ça va de pair avec ce que je dis, c'est-à-dire qu'ici, on se rend compte en fait que finalement, on peut y croire, que finalement, tout n'est pas noir, que finalement, peut-être, on peut faire confiance à l'amour ou à une personne en particulier. Cette carte du masque peut aussi refléter une révélation du style, voilà, maintenant, je sais enfin ce que je veux dans ma vie sentimentale, ou alors, je sais enfin que c'est cette personne-là qui est faite pour moi, vous voyez? Il y a une forme de clairvoyance, on trouve quelque chose, on met la lumière sur quelque chose qui nous paraissait caché, dissimulé avant, et c'est en fait ces yeux fermés qui nous bloquaient dans le fait d'envisager un couple avec quelqu'un. Donc ce tirage est vraiment centré sur un état d'esprit qui change au niveau sentimental plus que sur des événements qui se produisent dans votre vie. Mais j'ai envie de vous dire, tout part de l'état d'esprit pour ensuite attirer à soi ce qu'on veut et déclencher et vivre ces 10 événements. C'est tout ce qu'on a pour vous, amis Capricorne. Si ce tirage vous parle, que vous souhaitez en savoir plus sur votre vie amoureuse, vous m'écrivez mon mail sous la vidéo. Allez, bye bye!